Les relations représentent une bonne source de soutien et de bien-être. Les relations familiales, amicales, professionnelles et amoureuses peuvent enrichir notre vie. Elles peuvent aussi nous soutenir dans les moments difficiles. Il est important d'avoir quelqu'un à appeler lorsque la vie se révèle plus ardue. Le mieux-être social suppose le développement de relations soutenantes, saines, encourageantes et authentiques. Il nous encourage à prendre des mesures concrètes afin d'équilibrer nos vies sociales et romantiques à nos vies étudiantes et professionnelles. Alors, comment développe-t-on son mieux-être social? Il y a plusieurs manières de procéder. Voici quelques suggestions. Renouer des liens avec des gens. Allez au cinéma ou prenez un café avec quelqu'un qui vous intéresse ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Faites du bénévolat. Joignez-vous à un club. Jetez un coup d'œil au club de votre campus. Si vous n'en trouvez aucun qui vous intéresse, partez-en un. Contactez votre famille. Téléphonez à un proche avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps ou textez-le. Allez à un événement de campus. Vous trouverez habituellement de l'information sur les événements à venir dans le site web de votre collège. Organisez une soirée de jeux ou de films. Vous pouvez inviter des gens pour jouer à des jeux ou regarder des films, ou bien organiser une soirée cinéma virtuelle où tous les participants visionnent le même film dans leur demeure, tout en clavardant en ligne. Faites un compliment à quelqu'un. Faire un compliment authentique à quelqu'un est une manière facile d'améliorer sa journée. Riez à un bon coup. Regardez quelque chose de comique. Lisez un livre d'humour ou parlez à quelqu'un qui vous fait rire. Devenez mentor ou faites appel à un mentor. Que vous fassiez connaître votre expérience ou que quelqu'un vous transmette sa propre expérience, le mentorat représente un excellent moyen de tisser des liens. Essayez quelques-unes de ces suggestions pour améliorer votre mieux-être social.